Là, on voit bien que cette carte-là possède trois lignes de vie. C'est parce qu'en fait, les trois figurines que l'on voit ici vont être associées à la même carte. C'est-à-dire que quand vous allez jouer cette carte en jeu, vous allez devoir activer vos trois figurines en même temps. Simplement, en fait, les mêmes figurines possèdent exactement les mêmes caractéristiques, que ce soit au niveau des points de vie, de l'esprit, du réflexe, du combat, de la défense, du nombre de points d'action par tour, la valeur en mouvement, enfin marche, charge et course, la table de dommages, aussi bien au corps à corps que le dégât au tir avec leur fronde.